Bonjour, je travaille pour l'association Conscience et Impact écologique. Alors, nous sommes une association d'éducation populaire à la transition écologique, tout simplement. Donc, on propose des actions, des temps d'échange et des ateliers. On est basé à Villeurbanne, c'est là où est notre siège. On a également des antennes sur Chambéry, sur Grenoble, Paris et Strasbourg. Et vous étiez bénévole ce matin ou comment cela s'est-il passé? Alors non, ce matin, du coup, je suis venue en tant que salariée. Aujourd'hui, on a des bénévoles mobilisés sur d'autres actions. Mais la plupart du temps, c'est nos bénévoles qui font la plupart des actions puisqu'on est à plus de 300 membres sur Lyon. Tout à fait. Ben, en fait, c'est important de ramener du convivial dans l'écologie puisque l'écologie, c'est pas juste de la contrainte. C'est un des moments, en fait, comme ça, où ça permet de rencontrer tout simplement les habitants du quartier pour se rencontrer entre voisins et voisines. Et ben, pourquoi pas le faire autour d'une bonne action en faisant un ramassage de déchets et en rendant aussi son quotidien plus agréable avec un quartier plus propre. Merci beaucoup à tout le monde de s'être mobilisé aujourd'hui. Quel est le fondement même de cette opération ? Le fondement même, c'est de faire participer donc, les habitants de la ville de Caluire sur les trois sites pour ramasser des déchets sur une période, on va dire, d'une heure, une heure et demie. Et la propreté, c'est important aujourd'hui ? Ça fait partie de l'écologie ou pas ? Bah oui, je pense que c'est primordial. Déjà, c'est formater la jeunesse, leur faire prendre conscience que la nature, c'est très important pour la vie de tous les jours et que la ville aussi doit rester propre. Oui, c'est une première opération, voilà, c'est un succès. Après, la participation est pas au rendez-vous de ce qu'on s'était fixé, mais bon, il fallait la lancer et on espère que sur les prochaines sessions, on fera mieux. Et puis Thierry, je crois que vous avez monté aussi cette opération avec d'autres associations, hein, ne les oublions pas, sous le signe de la convivialité. Tout à fait. Une convivialité, je crois, avec, comment appelle-t-on ça, un groupe de Batacuda? Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Avec un groupe de musique, voilà, qui est venu en fait dynamiser cette opération tout au long de la collecte. S'il y avait une chose à ajouter pour une meilleure connaissance de cette opération, peut-être impliquer les écoles, peut-être impliquer un peu plus les gens du quartier, beaucoup n'étaient pas au courant. Ouais, je pense que la communication, bon, elle était déjà en place. Par contre, je pense qu'au niveau des collèges, ce qui serait bien, ça serait de faire ça sur des créneaux plutôt la semaine et plutôt pendant des heures de cours, qui permettrait à des profs, à des professeurs de sciences naturelles d'impliquer les enfants et de leur faire participer à cette action, quoi. Voir avec le rectorat. Peut-être, oui, avec le rectorat, tout à fait, c'est une bonne idée. Allez, le mot de la fin, Thierry Poncet. Le mot de la fin, eh ben, à l'année prochaine pour une belle action, voilà.